أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجود الكريم لازلنا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا تكلم كفى وإذا عاهد وفى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحنا مازال مع الأربعين النووية في الأربعين النووية عندنا واحد الحديث هو قصير جدا يعني أيضا هذا الحديث يعني هو من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عقلته الأسبوع الفيت سمنا الفيت تكلمنا على واحد الخصوصية من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني جوامع الكلام عقلته على هذه هيك وقلنا جوامع الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة قليلة تعبر عن معاني ومقاصد عظيمة وكثيرة هذا الحديث هذا اللي غادي نتكلموا عليه اليوم فيه فقط خمس كلمات ولكن هو يعني يعتبر أصل من أصول الشريعة خمس كلمات ولكن هذا الحديث هو أصل من أصول الشريعة ولما أقول لكم أصل من أصول الشريعة بمعنى يعني تعلمون ما معنى الأصل الأصل هو ما بني عليه غيره الأصل هو الساس يعني الدين كامل يعني الشريعة الإسلامية مبنية على هذا الحديث هذا الحديث رواه الإمام مالك رواه الإمام الدرقطني وابن ماجة هذا الحديث وهو الحديث 32 في الأربعين النووية هو عن أبي سعيد سعد ابن مالك بن السنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار خمس كلمات لا ضرار ولا ضرار خمس كلمات ولكن هذا الحديث أصل من أصول الشريعة je disais donc comme la semaine dernière on va s'intéresser aujourd'hui à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est très important. C'est un hadith qui est court, mais qui, ce hadith-là, c'est une des bases de la religion. Elle est fondée sur ce hadith-là. C'est un hadith qui est très très court, et pourtant énormément de règles dans notre religion, elles sont basées sur ce hadith-là. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Malik, il est rapporté par l'imam Ad-Darqutni, il est rapporté par l'imam Ibn Majah et d'autres. Et ce hadith-là, c'est le 32e hadith qui se trouve dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. On en avait parlé ça aussi la semaine dernière, hein, des 40 hadiths de l'imam Nawawi. D'ailleurs, il y a combien de hadiths dans le livre des 40 hadiths de Nawawi ? Hein ? 42, exactement. Hein ? C'est les 40 hadiths de Nawawi, mais il y en a 42. Et donc, ce hadith-là, c'est le 32e hadith que l'imam Nawawi a mis dans son ouvrage. Et donc, ce hadith-là, je vous disais, c'est un hadith qui est très important parce qu'il est considéré comme étant un des fondements de notre jurisprudence. Alors, ce hadith en arabe, c'est 5 mots. 5 mots. La darar, la darara, wa la dirar. Voilà. Alors, en français, qu'est-ce que ça donne ?
La traduction en français de ce hadith, en fait, il y a plusieurs façons de traduire ce hadith-là. Pourquoi ? Parce que dans la langue arabe, ce mot « darar » et le mot « dirar », il peut avoir plusieurs sens. Vous savez que parfois dans le fiqh, la jurisprudence, hein, on a des avis différents. Les savants, ils ont des avis différents, par exemple sur la façon de faire la prière, par exemple sur la... Et en règle générale, d'où ça vient cette divergence-là ? Bien, ça vient du sens qu'on apporte au mot. Je vous donne un exemple. Si je dis Ihsan et moi, on a la même voiture. Si je dis Ihsan et moi, on a la même voiture. Il y a combien de voitures ? Deux ? Deux, sûr ? Ou une ? Hein ? Si je dis Ihsan et moi, on a la même voiture, ça peut vouloir dire qu'on a une seule voiture, qu'on se partage lui et moi. Donc il n'y en a qu'une. Ou alors ça peut vouloir dire que Ihsan il a sa voiture, moi j'ai ma voiture, et que ce sont les mêmes, c'est le même modèle, c'est le même... Hein? Donc parfois, les mots ils peuvent avoir plusieurs sens. Et c'est ce qui fait que les savants, lorsqu'ils expliquent les paroles du prophète, et même parfois les paroles d'Allah, Azza wa Jal, eh bien, ils ne sont pas d'accord sur le sens, hein, que peuvent avoir ces paroles, sur le sens que peuvent avoir ces mots. Et donc du coup, ben, on va en sortir des règles différentes. Donc pareil, dans ce hadith-là, la darara wa la dirar, eh bien, les savants, ils sont... Certains ont dit, voilà, ad-darar, par exemple, c'est le mal que l'on peut faire à quelqu'un d'autre. Et ad-dirar, c'est les causes qui peuvent apporter le mal. Ad-darar, ça voudrait dire le fait de faire du mal, d'accord, porter préjudice. Et ad-dirar, c'est tout ce qui pourrait ramener au préjudice. D'autres ont dit ad-darar, c'est le fait de faire du mal à autrui, et ad-dirar, c'est le fait de répondre au mal par le mal. Vous voyez, il y a plusieurs explications à ce hadith. On va prendre une traduction et puis on va quand même essayer de creuser un petit peu sur les sens de ce hadith là. Il y a une traduction qui pourrait être qui est acceptable pour ce hadith, qui est de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith là, il est rapporté par Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne portez pas préjudice et ne subissez pas de préjudice. Ne portez pas préjudice et ne subissez pas de préjudice. Voilà, ça c'est une des traductions qui est acceptable pour ce hadith là. Alors je vous disais, ce hadith là, il fait partie des fonds. Enfin, c'est un hadith qui sert de base à la construction de plein de règles dans notre religion. Hein. Abu Daoud, on en a parlé aussi la semaine dernière. Abu Daoud, c'était aussi un grand rapporteur de hadith. Il dit que l'ensemble des règles religieuses, elles reposent sur 5 hadiths. Innam al-amalu bin-niyat, hein, les actions ne valent que par leurs intentions. Ce que je vous ai interdit de faire, ne le faites pas. Ce que je vous ai demandé de faire, faites-en ce que vous pouvez. La darar wa la dirar, ne causez pas de mal et ne subissez pas de mal. Le licite est clair et l'illicite est clair. Al halal ubayyin wa al haram ubayyin. Et le cinquième hadith qui est min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Il est du bel islam de ne pas s'occuper des choses qui ne nous regardent pas. Donc voilà. Donc ça veut dire que ce hadith-là, il fait partie des 5 hadiths sur lesquels toute la jurisprudence islamique est fondée. C'est 1/5 de la religion, ce hadith-là. La darar wa la dirar. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a résumé ça en 5 mots. Ne pas causer de préjudice et ne pas subir de préjudice. يعني هذا الحديث هذا رأى الإمام أبو داود رحمه الله يقول أن الفقه يدور على 5 أحاديث. الحديث الأول هو إنما العمل بالنيات، الثاني الحلال بين والحرام بين، الثالث ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم
وما أمرتكم به فاتوا به فاتوا منه ما استطعتم لا ضرر ولا ضرار. والحديث الآخر هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار هو خموس الشريعة باش نفهموا يعني أهمية هذا الحديث. Et donc, ce hadith-là, c'est un cinquième de la religion. Alors, je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons de comprendre ce hadith. La première des façons de le comprendre, c'est de dire qu'on ne doit pas causer le mal et on ne doit pas répondre au mal par le mal. On ne doit pas causer le mal et on ne doit pas répondre au mal par le mal. Et ça, c'est le sens que Allah tabaraka wa ta'ala nous donne dans le verset où il dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dans ce verset-là, Allah il nous dit la bonne action, la bonne action ne vaut pas la mauvaise action. Elles ne sont pas équivalentes. La bonne action, elle n'est pas équivalente à la mauvaise action. Réponds au mal par le bien. Et celui avec qui tu avais une animosité deviendra un ami rapproché. Ça, c'est le sens, le sens de ce verset. On le retrouve dans le hadith qui dit « La darara wa la dirar ». Ne causez pas de mal et ne répondez pas au mal par le bien. Et cette qualité-là, c'est la qualité de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus les gens étaient mauvais avec lui, plus il était bon avec eux. Plus les gens cherchaient à lui causer du mal et plus lui, il était doux envers eux. Cette qualité-là, c'est une qualité de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une qualité aussi d'un homme qui était très connu, qui s'appelle Al-Ahnaf ibn Qais. Al-Ahnaf ibn Qais, c'était un homme qui était très connu pour le fait de, justement, ce qu'on appelle Al-Hilm en arabe, le fait de répondre au mal par le bien. Et on raconte de lui, d'ailleurs en arabe on dit Ahlam min Qais, hein, on dit quelqu'un, on va dire de quelqu'un, on dit il est encore plus doux que Qais, c'est-à-dire que Qais c'est vraiment une référence. Ce monsieur-là, Qais, on raconte qu'un jour, il était en voyage et quand il est revenu chez lui, il arrive pas loin des portes de la ville. Vous savez, les villes à l'ancienne, c'était des murailles et puis on rentrait par la porte de la ville. Et donc, sur la route, un peu avant qu'il s'approche de la porte de la ville, il rencontre quelqu'un qui commence à l'insulter. Et elle dit, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, pour rien. Et lui, l'Ahnaf ibn Qais, lui il reste comme ça, il dit rien, il le laisse parler. Il le laisse, il ne répond pas. Jusqu'à ce qu'il arrive à la porte de la ville. Et là, une fois qu'il arrive à la porte de la ville, il se retourne. Et dit, écoute, si tu as encore quelque chose à dire, dépêche-toi de le dire, dis-le. Parce que j'ai peur que, si je continue à m'approcher et que je rentre dans la ville, les gens t'entendent. Et si les gens t'entendent, ils ne vont pas patienter comme moi. Et j'ai peur qu'il t'arrive du mal. Alors vas-y, dis-moi tout ce que tu as à me dire. Je suis prêt à l'entendre. C'est-à-dire que cet homme-là, il l'insulte alors que lui, il n'a rien fait. Mais malgré tout, il a peur qu'il lui arrive quelque chose. Non seulement il ne lui répond pas, mais en plus, il fait attention à ce qu'il ne lui arrive pas de mal. Il fait attention, il prend soin à ce qu'il n'y ait personne qui aille l'attaquer ou bien qui aille venger. C'est incroyable ça. Ne faites pas de mal et ne répondez pas au mal par le mal. Ça c'est un des sens de ce hadith. La darara wa la dirar. إذن قلنا أن من معاني هذا الحديث لأن العلماء اختلفوا في معنى الضرار وفي معنى الضرار ولكن من بين هذه المعاني قيل أن المعنى ديال لا ضرار ولا ضرار أنك أنت ما خصك تعدي على حد
وما خصك يعني لا تواجه السيئات بالسيئة. يعني شي واحد لا تعدى عليك راه رد الفعل ديالك راه خصو يكون زين، ما خصك واخا تعدوا عليك انت ما خصكش تعدى على حد. هذا هو المعنى، يعني المشكل ما يتحل بمشكل اخر. وهذا المعنى موجود في هذه الآية التي يقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ça c'est un des premiers sens de ce hadith. Ne faites pas de mal et ne répondez pas au mal par le mal. Un deuxième sens de ce hadith qui est ne causez pas de préjudice, ne causez pas de mal et vous-même ne subissez pas de préjudice. Vous-même ne subissez pas de préjudice. Et ça aussi, ce sens-là, on le trouve dans le Coran al-Karim. Parce que l'islam, il est venu pour enlever la difficulté. L'islam, il vient préserver l'honneur de l'être humain. Il vient apporter le bonheur à l'être humain. Et donc, dans le Coran, on a beaucoup de versets qui indiquent qu'effectivement, la religion, ça doit être une cause de soulagement. Que la religion, c'est une cause de facilité. Allah, il dit « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ طَاهَا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Le Coran, Allah dit, Taha, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois dans la difficulté. Raf al-Haraj, c'est ça l'objectif du Coran. L'objectif du Coran, l'objectif de la religion, c'est d'enlever la difficulté. C'est d'apporter la facilité. Hein, quand Allah il dit, on n'a pas mis dans la religion, il dit, min haraj. Ne serait-ce que... un gramme de difficulté, il n'y en a pas dans la religion. Ce mot « min haraj », c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas un gramme de difficulté dans la religion. Et donc ça aussi, ça fait partie des sens. Et d'ailleurs, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiallahu anha, elle dit, on n'a jamais proposé deux choses au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on proposait deux choses au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait toujours la plus facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui proposait deux choses, il choisissait toujours la voie la plus simple, la plus facile. Et il nous dit yassiru wa la tu'assiru, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. C'est ça la voie prophétique. La voie de Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une voie de facilité, c'est une voie qui amène à la facilité. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque chose dans laquelle il y a une contrainte, d'accord, plus que la normale, quelque chose qui est... Parce que les savants, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire ça? La difficulté, on doit l'enlever. Parce qu'à partir de ce hadith-là, les savants, ils ont sorti ce qu'on appelle des qawa'id, des grandes règles. Des grandes règles. Parmi ces grandes règles, il y a ad-dararu yuzal. La difficulté, on doit l'enlever. Mais qu'est-ce que c'est qu'une difficulté? Parce que si on regarde venir à la prière de Sobh, actuellement l'adhan est à 4h20, on pourrait dire que c'est une difficulté. Le mois du Ramadan, pas manger, pas boire, c'est une difficulté. Alors est-ce qu'on enlève toute forme de difficulté? Non. Ce qui est compté comme difficulté, c'est ce pourquoi... tu n'arriverais pas à faire, même pour les choses de ton dunya, les choses de ce bas monde. D'accord? Concrètement, se lever tôt le matin. On peut, quand c'est pour travailler, on arrive à se lever tôt le matin. Il y a des gens qui se lèvent à 2h du matin pour aller travailler. Donc, te lever pour la prière de l'Fajr à 4h20, c'est faisable. On ne compte pas ça, ça ne s'appelle pas une difficulté. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, ben voilà, faire le hajj, faire le pèlerinage jusqu'à la Mecque, c'est très loin, et en plus il fait très chaud, c'est une difficulté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève le hajj? Non, parce que beaucoup de gens, ils supportent la chaleur pour le travail. On voit actuellement, avec les températures qu'on a, les gens ils ne s'arrêtent pas de travailler, les gens ils continuent de travailler.
Le fait de voyager, de partir loin, est-ce que c'est en soi une difficulté? Beaucoup de gens voyagent pour le travail, voyagent pour le plaisir. Hein? Non. Al-mashaqqa, ou bien al-darar, c'est lorsque... Comment est-ce que font les savants pour dire, ben voilà, ça c'est une difficulté qu'il faut qu'on enlève? Eh bien, c'est quand c'est une difficulté pour laquelle on ne pourrait pas patienter, même pour les choses de notre quotidien. Alors pourquoi est-ce que c'est très important de maîtriser ça et de savoir que ce hadith-là, il est aussi important dans notre religion? D'abord, il faut savoir que notre religion, elle repose sur des qawa'id, sur des règles, sur des grands concepts. Et ça, c'est très important. Parce que ça nous permet d'avoir un cadre. Ça nous permet d'avoir un cadre. Et puis, deuxième chose, pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir ces règles-là et d'avoir ce cadre-là? Parce que nous pensons qu'il ne vient pas venir de prophète après Sina Rasulallah. Il va venir un prophète après Sina Rasulallah? Il ne vient pas de prophète après Sina Rasulallah. Mais notre religion, on doit pouvoir vivre notre religion dans tout moment et dans tout endroit. Et donc, forcément, aujourd'hui, on vit des choses, par exemple, qui n'ont pas existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on est amené à vivre des choses qui n'ont pas existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment faire? Eh bien, justement, on revient à ces grandes règles, hein, à ces grands principes de base. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a connu le Covid. On a connu le Covid. Quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qu'on a fait dans les mosquées? On a fait la distanciation. Tabarud, yak. On a fait la distanciation. Qu'est-ce qu'on connaît dans la prière normalement? La prière en commun, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On est serré. Qu'est-ce que dit l'imam avant la prière? L'imam, il vous dit, il faut qu'on se rapproche. Ça, c'est la règle de base. Mais voilà, est arrivé quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une maladie qui s'appelle le Covid. Et qui a fait que, eh bien, si les gens se, du moins, pour se protéger de cette maladie, eh bien, il fallait mettre une distanciation. Eh bien, partout dans le monde, dans toutes les mosquées, on a fait la distanciation. Et même à La Mecque, on a fait la distanciation. Pourquoi? Parce que ad-darar yuzal. La difficulté, le mal, il doit être enlevé. Une règle de notre religion. Là où est-ce qu'il y a la difficulté, on doit chercher à l'enlever. On doit chercher à enlever la difficulté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma religion, je ne dois pas me mettre dans la difficulté. Et aussi, je ne dois pas mettre les autres dans la difficulté au nom de la religion. Quelque chose qui est contre, j'ai envie de dire même contre nature, quelque chose qui est au-delà de ce que peut supporter l'autre, on ne peut pas lui imposer au nom de la religion. Parce que au contraire, on est sorti du cadre de la religion. Si on oblige quelqu'un à faire quelque chose qui est contre sa capacité, eh bien on est sorti du cadre. Ad-dararu yuzal. La difficulté, on doit l'enlever, on doit chercher à enlever la difficulté. Et donc, ça c'est très important d'avoir ces clés pour comprendre notre religion. Parce que c'est comme ça qu'on peut vivre le texte dans notre contexte. Si à l'époque du Covid, quelqu'un avait dit non, la prière, il faut absolument se serrer, avoir les pieds, les épaules collées, etc. Eh bien, c'était un devoir de dire non. Ce que tu dis là, ça existe dans un contexte. Mais dans notre contexte de difficultés, de maladies, etc., il y a une autre règle qui s'applique. Et donc ça, c'est très important de maîtriser ces concepts-là. Ce sont des choses qui sont très simples. Même ce hadith-là, tout le monde peut l'apprendre. Hein? La darara wa la dirar. Même celui qui ne connaît pas l'arabe, il peut l'apprendre. Hein? On ne fait pas subir de préjudice, on ne subit pas de préjudice, et on ne fait pas subir de préjudice, et on ne subit pas nous-mêmes de préjudice. Hein? Ça, ce sont des grands concepts avec lesquels est venu l'islam. Ce sont des concepts que l'islam nous apprend à vivre dans notre quotidien. C'est important aussi pour pas que on comprenne mal notre religion,
ou alors qu'on cherche à nous manipuler au nom de la religion et qu'on nous amène à des choses qui sont contre la religion finalement. Notre religion, elle doit se comprendre au travers de ces concepts-là. Et donc, يعني هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار هو مهم وهو أصل من أصول الدين وهو أصل من القواعد الكبرى تعرفوا أن الشرع في شرعنا عندنا خمس قواعد القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك القاعدة الثالثة الضرر يزال القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير والقاعدة الخامسة العادة محكمة إذن هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار يعني من القواعد الكبرى قاعدة كبيرة باش نفهموا الدين ديالنا وباش نتبقوه في هذا الواقع لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال خصنا حنا نفهموا هذا الحديث هذا ونتبقوه ونعلموا أولادنا هذا الحديث هذا باش ما يجي شي واحد ويلعب بهم أسدي الدين ديالنا فيه اليسر يسروا ولا تعسروا لأن الشريعة ديالنا لأن ما يجي النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة ديالنا آخر الشريعة إذن إلا بغينا نتبقوها يعني هذه الشريعة هي صالحة في كل زمان وكل مكان إذن لابد الإنسان يكون عنده يعني هذه المفاتيح Il faut maîtriser ces clés-là. Il faut maîtriser ces grandes règles pour pouvoir vivre notre religion sereinement, dans n'importe quel contexte et à n'importe quelle époque. Alors, c'est quoi le hadith ? En arabe, on a dit « La darara wa la dirar ». C'est facile ou c'est pas facile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'il y a une difficulté, au-delà de la qui est une difficulté qui est au-delà de la contrainte habituelle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher à l'enlever. On doit chercher à l'enlever. Et ça, c'est le message de Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le message que l'on trouve dans le Coran dans plusieurs versets. Dans plusieurs versets, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous appelle à chercher la facilité et pas chercher la difficulté. Allah, il nous dit que Il ne cherche pas à mettre les croyants dans la difficulté. Donc c'est très important de maîtriser ce concept-là pour pouvoir vivre le cœur de notre religion, pour pouvoir vivre l'âme de notre religion à toute époque et à tout, dans tout endroit. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين